Mystérieux voyage du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Soins ou missions cachées. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a récemment quitté le pays pour des soins médicaux, un départ qui a suscité de vives interrogations. Officiellement, il aurait quitté le Mali pour un traitement urgent. Mais depuis son retour, la nature exacte de son voyage alimente les spéculations. La destination précise demeure floue si certaines sources affirment qu'il se serait rendu en Turquie, d'autres estiment qu'il aurait pris la direction de Cuba. Une dizaine de jours après son départ, il est revenu au Mali affichant une santé éclatante, bien loin de l'urgence médicale évoquée avant son départ. Cette apparente métamorphose n'a pas manqué d'attiser les suspicions. Certains se demandent s'il avait réellement suivi un traitement médical ou s'il était revenu avec une mission secrète. La toile s'est rapidement enflammée avec ses partisans inondant les réseaux sociaux de messages et d'analyses souvent déconnectés des véritables préoccupations nationales. Le Mali traverse une période de défis majeurs. La situation sécuritaire est préoccupante et les récentes inondations ont fait des victimes et entraîné le report de la rentrée scolaire. Dans ce contexte, les discussions initiées par le Premier ministre semblent inappropriées, détournant l'attention des véritables urgences du pays. Cependant, cette agitation autour de sa personne n'est pas anodine. Depuis son retour, Choguel Kokala Maïga apparaît plus déterminé que jamais, multipliant les manœuvres politiques qui, selon certains observateurs, viseraient à diviser et affaiblir l'échiquier politique national. Une question persiste. Agit-il sur ordre de puissance extérieure? Les réseaux sociaux, malmenés par ses proches, diffusent sans relâche un débat toxique qui ne fait que polluer l'espace public déjà fragilisé par les crises multiples auxquelles le pays fait face. Depuis ce retour controversé, le Premier ministre dévoilerait probablement ses intentions réelles. Qu'a-t-il gagné au cours de ce court séjour à l'étranger? Est-ce uniquement pour des raisons médicales qu'il a quitté le Mali ou une autre mission l'attendait-elle au-delà des frontières? Ces questions, loin d'être élucidées, continuent de hanter l'opinion publique malienne. Nous y reviendrons. Merci.